Yo les potes, nouvelle boutique du 8 mars 2020. Je vais un peu mieux, j'ai encore mal à la tête, mais vous inquiétez pas. Juste avant, mais c'est pas cette boutique, c'est dans 10 secondes, il y a le compteur. Mais juste avant, regardez, Limo de Salto arrière, ça fait un an qu'elle est pas sortie. Je suis Deg, Epic Games, ils sont pas très gentils. Avant la boutique, dans 3 secondes, n'oubliez pas le code créateur NSQ, ça fait extrêmement plaisir. Le petit pouce bleu, l'abonnement, et c'est parti. Ok, nouveau skin, Zina, au prix de 1200 V-Bucks. Ok, j'aime pas du tout. Le sac à dos, ouais, il est un peu gros. Ouais, j'aime, bah ce skin j'aime pas du tout. 1200 V-Bucks. Le petite collecte Ananassassin. Ok, pas ouf. 500 V-Bucks, mais elle est très moche, honnêtement. Le petit skin Magnus qui revient encore. Il vient assez souvent, je trouve. À 2000 V-Bucks. La petite pioche ancestrale au prix de 800. Ok. C'est cool qu'ils remettent pas le planeur parce que ça fait un an qu'il est pas sorti. Alors qu'il est dans le même pack. Le skin Echo qu'on a vu hier au prix de 1200 V-Bucks. Pic inversé au prix de 500. L'écho propulseur au prix de 800 et le revêtement écho au prix de 300 V-Bucks. Ensuite, Chopper au prix de 1200 V-Bucks. Je crois que ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti. En vrai, j'aime beaucoup ce skin. Nocturna au prix de 800 V-Bucks. Ok, sympa. Twist au prix de 500. Ok, un classique. Concentré à fond au prix de 200 V-Bucks. Ok. Marche joyeuse au prix de 500 V-Bucks. Regarde la tête du skin. Et pour finir, le bout de zinc au prix de 1200 e-bucks. Et je suis sûr que ça doit faire ultra longtemps qu'il n'est pas ressorti de la boutique. Du coup, il doit être hyper rare. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ce code créateur inscrit dans la boutique. ENDSKEW. Allez, ciao!